débarque. Super, reste dans les starting blocks. Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spider-Man. On va essayer de s'échapper de l'appartement de Norman Osborn. Par où on va passer par contre? On va essayer d'y aller en mode speed pour voir. Ça passe, hein. Il va se retourner ou pas? Retourne-toi, retourne-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ça passe, nickel. Qu'est-ce que c'était? Nickel. On va faire en sorte qu'il se retourne. J'ai du mouvement, quittez pas. Parfait. Parfait. On retourne dans la chambre, c'est ça? C'est à l'extérieur? Ou c'est... C'est Peter ? Attends, non, Peter, il va venir nous chercher peut-être. Ah ben nickel ! Ah oh, putain, il a tiré sans faire exprès. Peter, ils arrivent pas à grimper ou ils peuvent pas tirer là ? MJ, ça va ? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. Ah non, elle a bloqué avec la porte. Oh putain, elle a plutôt intérêt de se dépêcher. Oh putain. T'es vraiment cinglé. T'es incroyable. Ah ouais, elle est vraiment cinglée. Ça, moi, perso, je l'aurais jamais fait. Eh ben, on a réussi à s'échapper de l'appartement de Osborn. Et on va sûrement retrouver Spidey. Tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie, et Docteur Octavius. Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves leur med. Merci, partenaire. Oh putain, elle est restée. L'araignée, elle est restée sur Mary Jane. Aïe, alors qu'est-ce qu'on va avoir comme mission? Ah ben ça y est, c'est bon, nickel, on peut s'y rendre immédiatement. Alors du coup, c'est où? C'est à 3000 mètres vers le nord. On va se téléporter ici. Alors je vois qu'on a récupéré quelques compétences, on va essayer de les je l'aime bien celle-là de page de chargement. Est vraiment sympa. Vu qu'il est cherché par les agents des sables, il peut plus prendre le métro normalement. Donc il se cache. Alors qu'est-ce que je peux augmenter? Compétences. On en a 4. Alors, améliore l'élimination frappe de toile pour repousser les ennemis à proximité. Pas mal, on prend. Et ensuite, pour lancer les armes de voler. Et ça c'est quoi? Oh putain, il peut sauter en l'air comme ça direct. Maintenez R2 et croix. Ça, c'est pas très utile pour le moment. Pour les combats. Ici, c'est combien? 3. Ça sert à quoi? Déclenche immédiatement un second coup de grâce sur les ennemis de base. D'accord, ça enchaîne. D'accord, ça enchaîne. Donc ça fait le doublé.
Allez, on va prendre plutôt celui-là. Ou alors, c'est combien? C'est 3. On va attendre la prochaine fois pour le prendre, celui-là. Et que j'arrange les choses. Allez, on file à la mission principale. Je dois le convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Bon, Norman est parti. Allez. Oh putain, Mister Négative. Ah putain, ils ont serré Osborn. Direct. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre Lee dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO. Ok, on va s'occuper des snipers direct. Ok, ça c'est réglé. C'est bon, parfait. Est-ce qu'il y a un autre sniper dans le coin? Oh putain. Un autre sniper. Comment on fait la technique s'emparer de l'antisérum. Oh là là, mais il y a un lance-roquette. Il est où le lance-roquette? Il y a un lance-roquette. Oh là là. Ok, lui c'est fait. On va recharger la vie. Impeccable. Il est là. Ok, c'est bon. C'est réglé pour le sniper. Mais comment on fait là? Putain, il y a encore du monde. Spider-Man, partez immédiatement. Mise en contrôle la situation. Ok, il y a un sniper ici. Lee a balayé les agents postés ici. Vos hommes ne contrôlent rien du tout. Vous aurez prévenu, super-héros. Ah, bien joué. On va l'envoyer en l'air. On est bon, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, si c'est fini. Ok, donc du coup, on va se rendre maintenant... à l'intérieur. Ah non non, il en reste. Hein. J'avais pas rêvé. Les dodos. Parfait. Ça me prend les choses au sérieux. Ces types-là vont pas me faire de cadeaux. Oh là là. Nos agents, Spider-Man. Il est temps de finir. Vous croyez que c'est moi qui ai décimé vos gars? C'est une blague, j'espère. Le bazooka là. Je dois tout
faire pour entrer en vitesse. C'est quoi ça? Ok, je m'en sors bien. Pour le moment. Oh là là, mais il y a un bazooka là dans le coin. Laisse tomber, il est en train de me rendre fou. Si seulement Sable pouvait me lâcher la grappe. On pourrait bosser main dans la main. Ouais, on devrait être potes normalement. Oh là là. On va esquiver. C'est bon, nickel. Démon et Sable hors jeu. Je vais chercher Lee à l'intérieur. Alors on va chercher Lee à l'intérieur maintenant. Eh ben dis donc, ils m'auront fait mal à la tête ceux-là. Allez, c'est parti. Mais pourquoi c'est si lourd? Oh putain, Silver maintenant. La totale. Vous avez agressé mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee, mais pas les deux. Elle a compris. Alléluia. Ça veut dire qu'on est cool? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Il est hors de contrôle. Oh. Allez sauver Osborne. Je vais leur parler. Je vais leur parler. Bien, les amis. Allez, on va aller sauver Osborne. Fini de courir. Ça a assez duré. Ce truc. Ok, d'accord, je dois pas toucher ces ondes négatives. Et où je dois aller par contre? Ok, je pense qu'il y a que Spidey qui pouvait y aller là, hein. C'est clair. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce trou là? Oh putain, m'envoyer encore dans un monde parallèle. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident? Tu es aussi insensible qu'Osborne. Allez, on va jouer à cache-cache une fois de plus. Mes parents sont morts à cause de moi. À cause de ce que m'a fait Osborne. Ouais. C'est toi qui les as tués, ça c'est sûr. Votre passé ne vous définit pas. Ne laissez pas vous contrôler. Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers. Pour faire honneur à leur mémoire. Mais oui, c'est pour ça qu'ils faisaient une association de charité, là. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborne doit être châtié. Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin. Il doit être châtié, Osborne. Elle travaille sur ma mémoire, hein. Plutôt sur ma psychologie. C'est la douleur et la colère qui alimentent son pouvoir.
Un peu plus tôt. Oh, quoi. Mais on va jouer qui maintenant? Ça, c'est le docteur Michaels. C'est le seul échantillon. Non! Non, Martin! Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Vous les exploitez. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la haine gagner. Résistez! C'est parti pour un frit, et le frit, ça sera dans l'épisode prochain, ça sera dans le prochain épisode. Merci à vous d'avoir suivi celui-ci, je vous donne rendez-vous donc dans le prochain épisode, à plus dans le bus et à bientôt.